Bah, tu sais, il a une grosse peur, hein, pauvre petit. Je vois ça. Et tu sais ce que c'était, la bête? Un papillon. Oui, mais un papillon de nuit, venimeux. Mais bon sang de bois, c'est ma chemise en cellulaire qu'il a sur le dos. Et en loque par-dessus le marché. En loque, c'est vite dit. Ah, puis il a une égratignure sous l'œil. C'est sûrement le papillon venimeux qui lui a fait ça. Hein? Attention à pas m'ombrager, Lucien. T'ombrager? Je parle français, je suis pas sûr. Ombrager, c'est très clair. Qu'est-ce que tu crois qu'il a voulu dire, là? Ben, c'est rapport à ton métier. T'arrêtes les gens et tu les mets à l'ombre. Si c'était pas toi, je mettrais bien ma main au feu que c'est une demoiselle qui l'a déchirée, ma chemise. Hein? Là, Lucien, t'es en train de m'ombrager. Elle a l'air fameuse, gâteau de riz. Comme la dernière lagon. Ce sera meilleur avec du rhum. Hein? Rhum, rhum, vite. Bouteille de rhum. Toujours rhum dans la gâteau de riz. Toujours rhum, rhum. Et qu'est-ce que t'attends pour aller travailler? Cherche mon chapeau. Mais il est sur ta tête, pauvre connard. Oh. Maman, viens goûter le gâteau de riz avec le rhum. Ouais, c'est délicieux, mais il m'appelle pas maman. Il t'en gardera. J'espère bien. C'est vrai que tu étais avec une fille hier soir? Il est salé, le café. Réponds au lieu de dire des âneries. T'empêche qu'il est salé, le café.